normalement, c'est là où je dois être sérieux. Ouais? Ouais, je pense. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher? Non. Ok, bienvenue sur le blog du ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir monsieur Olivier Mermet avec nous. Olivier, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui. D'accord. Donc, je m'appelle Olivier. Pour ceux qui connaissent mon blog, oliviermermet.com/blog, ça fait, je pense, 3 ans ou 4 ans que je parle de marketing en ligne. Donc, ça va de viral, médias sociaux, tout ce qui est innovant, micro-sites, etc. etc. Je suis étudiant avec toi, on a fait la même école. Puis voilà, c'est à peu près tout. Je travaille là-bas. Non, vous ne voyez pas, mais c'est un peu plus loin, hein, d'accord? Donc Olivier, aujourd'hui, moi, je viens t'embêter pour que, tout simplement, tu m'expliques un peu la stratégie que tu as mis en place pour Point G. Okay. J'en ai entendu parler un peu partout, là. Faut presse et Olivier par ici, Olivier par là. Donc, j'aimerais savoir un peu ce que tu as fait. Comment on peut développer une opportunité business par rapport aux réseaux sociaux pour les entreprises? Donc, Point G, qui n'est pas un sex shop, comme son nom l'indique. La boutique Point G, c'est une boutique de macarons à Montréal. On a trouvé une bonne opportunité d'affaires sur les médias sociaux. À l'époque, c'était encore très peu exploité, surtout par les petites boîtes. D'accord. Il y avait quand même, c'était l'année dernière, donc il y avait quand même déjà des actions qui se faisaient. Mais on a un petit peu ajouté une valeur à la communauté. On n'a pas juste recruté du monde pour dire qu'on a des fans, qu'on a des followers. On a vraiment impliqué tous nos followers dès le début. C'était ça le but du truc. C'est-à-dire qu'à l'époque, genre, les concours qui se faisaient sur Twitter, c'était retweeter un message et gagner un truc. Nous, non, c'était simplement répondre à une question. On n'était pas là pour vous piquer votre audience. D'accord. Puis non, ça s'est super bien développé. Dans les premières semaines, on a eu des gros retours. Ça nous a permis d'avoir une base bien solide. Et après, on a continué à développer ça, toujours sur l'innovation. On a été les premiers à Montréal à implanter Foursquare. Il y a très peu de retours à ça, mais au moins on l'a fait. Puis on verra en temps voulu qu'est-ce que ça peut rapporter. On a fait beaucoup de co-création avec notre communauté. On les a impliqués dans la création de la nouvelle carte, genre les nouvelles saveurs. On leur a fait développer une nouvelle saveur de glace. On les a fait participer à des 4 à 7, etc. etc. Donc ouais, c'est les médias sociaux, ça ne nous a pas juste permis de nous asseoir sur une base de clientèle, mais c'est vraiment des gens qui ont participé en partie à la création de l'entreprise. D'accord. Bah alors, dans ces cas-là, est-ce que tu peux me dire à la base, lorsque tu es parti dans l'entreprise, quels étaient les grands objectifs que vous étiez fixés? Honnêtement, on n'en avait aucun précis. On ne savait pas pourquoi on y allait. On savait juste qu'il y avait un truc à faire. D'accord. On savait qu'il y avait des choses à faire. On s'est dit on va aller sur un petit côté promotionnel sympa, plus que vraiment pas agressif en fait, complètement naturel. Puis on s'est rendu compte que c'est ce qui a marché. Donc on a gardé cet angle-là. Puis on évite de faire trop de push, comme on dit, pour la boutique. On essaye d'interagir réellement avec les gens. D'accord. Et voilà. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure, tu m'as dit que vous utilisiez Twitter, ouais. Vous avez utilisé Foursquare, est-ce qu'il y a d'autres logiciels? Facebook aussi, c'est sûr, Fanpage? Ouais. D'accord, ok. Pareil, toujours, tu viens, comme tu as dit, interaction, genre échange, non pas juste une promotion de ton site. Non, c'est ça. Facebook nous sert à faire des concours, c'est-à-dire qu'on pose une question et les gens répondent en commentaire. On ne leur demande pas d'aller poser une adresse chez leurs amis, on ne leur demande pas de recruter des fans pour nous ou quoi. Non, ça se fait complètement naturellement. Là, récemment, on a utilisé un outil qui est vraiment cool, qui s'appelle Swakes. Okay. Donc, c'est fait à Montréal, c'est fait par un Montréalais, ça marche super bien. Et on a utilisé un peu la dynamique des fonctionnalités de Facebook pour faire un super gros concours, genre avec 500$ de lot à gagner. Donc, super gros concours, si vous êtes une grosse boîte, 500$, ça vous fait rire. Mais pour une petite entreprise, c'est quand même gros. C'est quand même énorme. Puis, les gens, naturellement, ils vont retransmettre quelque chose quand ils voient non seulement que ça leur plaît à eux, mais qu'il y a un intérêt pour les autres gens, d'accord, pour leur réseau social à eux. Donc à partir de ce moment-là, nous, on exploite un peu cette dynamique sociale. Oui. Mais le but, c'est jamais de faire uniquement la promo de la boutique, c'est vraiment d'aller chercher ce que les gens ont à nous apporter. On va pas chercher de la clientèle pure et dure. C'est pas des prospects. Ouais. Tu vas chercher de la relation avec les gens, mais de relations qui peut t'apporter quelque chose. Clairement. Ok, d'accord. Par rapport à ça, tu sais que je vais t'embêter avec un petit point. Hein. Tu m'as parlé tout à l'heure de Foursquare. Ouais. Est-ce que réellement, parce que dans tous les articles on voit oui, Foursquare c'est intéressant, oui, Foursquare ça va être bien, oui, Foursquare c'est une opportunité business.
Est-ce que réellement pour Point G ça a apporté quelque chose? Bah oui, ça a apporté quelque chose dans le sens où déjà ça nous a rien coûté. D'accord. Dans le sens où on a été les premiers à Montréal à le faire, donc on a eu beaucoup de retours médiatiques dessus. D'accord. C'est-à-dire qu'on a de la presse qui a parlé de nous, on a de la radio qui a parlé de nous, etc. Et donc ça, pour une petite boîte, bah, c'est pas négligeable, parce que s'ils avaient dû payer un relationniste, le coût aurait été bien plus important. Est-ce qu'on a réellement beaucoup de monde qui l'utilise? Absolument pas. D'accord. Par contre, on a quand même des gens qui ont conscience que notre marketing, c'est quelque chose de constamment innovant. D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être une trentaine de personnes grand max qui vont utiliser ça. Et fondamentalement, 30 personnes, si on offre 30 macarons, ça ne coûte absolument rien. Et le retour, il est là. D'accord. Tu vois, il y a quand même quelque chose à prendre. On n'exploite certainement pas toutes les possibilités. Le marché d'utilisateurs de Foursquare n'est vraiment pas là à Montréal. Mais par contre, c'est ça, on y est, on sait ce que ça donne pour l'instant. Puis on verra comment ça évolue dans l'avenir. Mais on ne perd rien. D'accord, ok. Tu as tout à gagner. C'est indolore, c'est ça, il y a tout à gagner. On n'a aucune raison de ne pas le faire. On n'a absolument aucune raison de ne pas le faire, donc on l'a fait. D'accord. Quelles sont les limites, pour l'instant, on va dire, des réseaux sociaux que vous utilisez? Comme ça, on en avait déjà un peu parlé tout à l'heure. C'est vraiment le moment où toutes les entreprises, ou toutes les petites entreprises surtout, vont y être. Qu'il va y avoir qu'il va y avoir une espèce de saturation. De la promotion, genre soit des gens qui vont uniquement parler d'eux, soit des gens qui vont être dans une optique de recrutement, de fans, tous ces indicateurs-là de surface, tu sais, qui vont pas vraiment en profondeur avec la relation. Au bout d'un moment, les gens vont s'en rendre compte. Il va y avoir une espèce de mécanisme naturel qui va se créer à ça, comme on a pu voir au début avec Google AdSense et AdWords. D'accord. On disait, ah, c'est génial, ça va être de la publicité contextualisée, machin. Le problème, c'est que maintenant, il y en a tellement. C'est devenu tellement quelque chose de mécanique que les gens, bah, ils développent un banner blindness. T'sais, ils ne voient plus les pubs, les taux de clics sont en baisse totale. Donc à partir de ce moment-là, on va avoir un problème. Mais pour l'instant, regarde, les entreprises sont tellement hésitantes à y aller qu'on n'a aucune raison d'arrêter ça maintenant. Comment on va réagir à ça? Bah, on sait qu'il y a toujours quelque chose d'innovant à faire. Okay. Donc un nouvel outil... peut-être un retour au marketing plus traditionnel, mais sur un autre angle, une autre communication. On verra. Pour l'instant, ça va bien. Mais l'important, c'est d'être en avance, c'est d'être dans la position où tu prends la vague plutôt que tu essayes de courir après. D'accord, ok. Enfin, tu ne cours pas sur de l'eau. Bah, c'est difficile en même après. Temps. Ouais. Bah, donc, si tu peux courir sur une planche, on va dire. Hein, ouais, tu ne vas pas très loin. Ouais, bah, non, bah, tu tombes facilement. C'est ça. Bon, alors dans ma petite vidéo, en fait, j'essaye de faire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire je vais voir ta réactivité. Ça s'appelle cas d'entreprise. Ok. Je te donne un cas. Ouais. Et par rapport à ça, tu me réponds avec toute ton intelligence et ta créativité. Tu vas des vulgaires. Ben non, en fait, parce qu'il y a des mamans et des papas qui regardent. D'accord. Donc exemple, je suis une entreprise, une petite entreprise de vêtements, de prêt-à-porter masculin, féminin, qui est dans une ville moyenne, ouais. On va dire par exemple Sherbrooke. Ok. Qu'est-ce que tu me conseillerais si jamais je me mettais sur les réseaux sociaux? Moi je te dis, il y a un adage qui dit que ta première impression c'est souvent la bonne. D'accord. Et quand tu es dans un marketing aussi innovant entre guillemets, je pense que c'est pas nécessairement vrai. Dans le sens où si tu es une boîte justement qui fait du prêt-à-porter, allez, toi ta première idée ça va être on va recruter du monde, on va organiser un défilé. D'accord. T'es d'accord ou pas avec moi? Ouais. C'est une idée qui va devenir très rapidement. D'accord. Bah, je dis pas que c'est une mauvaise idée, loin de là, mais essaye de voir un petit peu toute la complexité du processus qu'il va y avoir à organiser ça. Est-ce que tu penses réellement qu'en arrivant sur les réseaux sociaux, 2 mois après, tu vas pouvoir recruter, je vais à 150 personnes qui viendront à un défilé? Ça va être compliqué, t'as intérêt à y passer beaucoup de temps. D'accord. Donc, je pense qu'il faut y aller vraiment pas à pas. Que tu ne peux pas te fixer un objectif pour dans 6 mois, parce que tu ne sais pas dans 6 mois ce qui va t'arriver, tu ne sais pas si tu vas être en mesure de faire ce que tu as prévu de faire, ou si tu vas être en mesure de faire mieux que ce que tu avais prévu de faire. D'accord. Tu vois? Pour moi, les exemples typiques de ce genre de trucs, c'est ça se fait avec les grosses boîtes, qui... Ouais, c'est marrant ça. C'est pas mal ça. c'est les grosses boîtes qui systématiquement vont essayer de suivre un truc qui s'est déjà fait. Regarde tous les gens qui essayent de faire de l'UGC, du User Generated Content. En ce moment, il y a une saturation avec ça. Et à l'époque où c'était original, on avait des vidéos marrantes. Maintenant, on se retrouve avec des vidéos qui sont faites par monsieur tout le monde dans leur cave,
Et honnêtement, tu te retrouves avec une page remplie de vidéos toutes pourries. D'accord, ouais. Donc, c'est bien de suivre une tendance, j'ai absolument rien contre. Par contre, il faut essayer de voir dans le temps qu'est-ce qui va être possible de faire. Parce que ça va donner. Il va y avoir des pièges forcément, puis tu ne peux pas prévoir dans l'absolu la réaction des gens avec qui tu vas interagir. Tu ne sais pas s'ils vont être vraiment intéressés ni rien. Tu vois, un deuxième truc aussi, si tu es une boîte de prêt-à-porter, n'hésite pas à faire de la promo tout simplement. Reviens un petit peu à des bases, utilise ces nouveaux réseaux genre pour faire quelque chose d'hyper traditionnel, je sais pas, des 15%, des soldes. Annonce un bénéfice pour les gens. C'est d'accord. Quelque chose de tangible. Qu'ils sont capables de prendre en compte. Ouais, et... Pour moi, sérieux, il va y avoir un espèce de retour du couponing ou de l'inscription à des concours qui va se faire parce que c'est indolore. Tu sais, tu passes plus de temps à remplir un coupon au stylo puis à aller le poster. En 3 clics, tu peux t'inscrire à des choses, etc. etc. Donc, je pense qu'on ferait bien de revenir un petit peu à ces bases-là. Okay. Donc, moi, je me rends compte personnellement que c'est très porteur. Genre, tu peux te construire une petite base de personnes intéressées avec ces méthodes-là. Beaucoup plus que nécessairement, faut à tout prix faire participer les gens. Mais tu sais, quand tu demandes aux gens de faire un truc qui est long, genre une création de vidéo, ça ouais. prend du temps. Tu te retrouves souvent avec des trucs un petit peu médiocres, puis ton investissement en temps, le retour n'est pas nécessairement là. Et pas dessus. Donc, faut pas tomber dans les pièges de la facilité. Bah, en parlant de retour, et ça sera ma dernière question, ouais. tu sais que mon blog, c'est retour sur investissement des réseaux sociaux. Ouais. Si je te demande à toi de me dire quel est le retour sur investissement des réseaux sociaux en général. Ouais, bah, c'est une réponse qui est un peu traditionnelle que ouais. je vais te sortir. Mais c'est pas le retour sur investissement, c'est genre le risque de non-investissement. Tu vois, c'est un truc que j'ai entendu quelques fois maintenant dans des conférences, que des gens, c'était la réponse que donnait le conférencier quand on posait cette question. D'accord. C'est la question qu'on entend à chaque fois. À chaque fois, tout le temps. C'est ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de ROI calculable. Et s'il est calculable, il sera extrêmement biaisé. Par contre, pour les gens qui sont à l'interne, ils le sentent. Tu vois, ta communauté, tu sens sa réaction. Tu sais, mettons, s'il y a quelques personnes qui viennent, tu sais que tu en oublies certainement. Tu sais, mettons, qu'en magasin, tu vas être visité par des fans Facebook. Tu ne sais même pas qu'ils existent, tu ne sais même pas que c'est tes fans. Mais ils sont là quand même. D'accord. Donc, ton risque, il est vraiment de rater des opportunités. Il est de rater des interactions. Il est de rater une participation de quelqu'un à ton entreprise. Et il y a pas mal de gens qui passent à côté de ça. Et même les gens qui prennent le soin d'aller sur les médias sociaux, y en a qui ratent le fondement de ça. Tu sais, l'aspect interaction, tout ça, ils pensent simplement qu'en arrivant là, tout le monde va parler d'eux, qu'ils vont réussir à hijacker un peu d'audience. Mais c'est normal, tu sais, tu vois vraiment la surface quand tu explores quelque chose, tu sais pas. Quand tu arrives sur une terre, tu dis pas là, il y a du pétrole. Ouais. Tu sais, tu dis c'est beau, on va construire des maisons. Bah, peut-être que tu fais une connerie en construisant des maisons, puis que tu peux, je sais pas, tu as une terre qui est super riche, tu peux planter quelque chose. Ouais. Ça prendra plus de temps, c'est plus long à s'en rendre compte. Et les bénéfices sont plus importants à la fin. Ok. C'était beau cette image. C'était magnifique. Bah, j'ai envie de pleurer tout de suite là, mais je vais me retenir. D'accord. Bon, ça va. Olivier, merci pour cette interview. Je t'en prie. La prochaine que je ferai, bah, je te la ferai de France. D'accord. Hein, on essaiera de faire ça. Je te remercie encore une fois et puis je te dis à très bientôt. Yep. Salut. À la prochaine.